Bonjour toutes et à tous, amis Seagal de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme, pour moi ça super. Les copains, on se retrouve pour une vidéo sur mon gros compte, et oui, une fois n'est pas coutume, on est sur le compte 500k en ce moment, 95% du temps. Mais le gros compte, il est là, le nouveau Brawl Pass, il sort bientôt les gars, j'ai énormément de trucs à débloquer, mais vu qu'on est full max, il n'y a aucun intérêt. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, le nouveau Brawl Pass sort dans 1 jour et 23 heures, j'aurai avec cette vidéo le samedi, le skin. La raison de la vidéo, c'est quoi? C'est tout simplement le Emery Lanterne, qui est un de mes top 3 skins, des nouveaux skins en tout cas que je compte bien acheter, donc je ne pouvais pas le laisser passer. Je ne pouvais pas laisser passer aussi les packs d'émoticônes, les gars, épiques et normales. Et j'ai même un pack d'émoticônes dans mes récompenses à débloquer. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait se faire un petit kiff quand même, les gars. Brawl Stars, ça sert à se faire plaisir, je le dis souvent en ce moment. Et du coup, on va tout simplement tous acheter, et après on partira en duo survivant avec mon petit Jacob d'Empire Suisse, la machine Jacob, un monstre et un amour au passage aussi. Donc son Twitter en description, n'hésitez pas à aller le follow, les gars. N'hésitez pas à m'exploser le soutien sur le code créateur Gaël. Vous êtes vraiment nombreux à l'utiliser, mais n'oubliez pas parce que ça s'enlève toutes les semaines. Donc les copains, foncez, ça fait plaisir, ça soutient. Ceux qui veulent m'envoyer des screens sur Twitter, Instagram, etc., foncez la famille, ça fait plaisir. Et je pense que les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux vous dire un truc, c'est que je vais vous publier la vidéo le dimanche matin vers 10h30, 11h. S'il y a, franchement les gars, s'il y a 3500 pouces bleus sous cette vidéo, je vous publie une vidéo du compte 500k aujourd'hui. Parce qu'un jour sans une vidéo 500k, c'est dommage. Parce qu'en vérité, vu que je farme à peu près 1000 trophées dessus, on perd du temps, les gars. Donc, go m'exploser les pouces bleus si vous voulez votre petit contenu additionnel 500k qui fait plaisir. Et ça va, les gars, j'ai compris. Je parle trop, c'est ça? Ok, on part pour le pack d'émoticônes. Alors, la PAM, elle est archi-validée. J'adore. Je trouve que c'est vraiment les émotes les plus beaux. Ceux qui rachent comme ça. Donc, c'est validé. L'émote épique, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Est-ce que vous trouvez ça cher, 39 gemmes pour une émote épique? Je me rends pas trop compte, mais c'est pas donné. Alors, ça bloque un petit peu. Qu'est-ce qu'on va choper? Ok, on a chopé le boule. Franchement, les gars, une émote avec un cœur, ça fait toujours plaisir. C'est plutôt intéressant. On a aussi l'émote, du coup, comme j'ai dit, qui se cache là, pack d'émoticônes, les gars, pourvu qu'on ait un truc sympa. Ouais, on a le Gina Mike, bon, c'est pas oufissime, hein. Le Daryl, il est pas ouf, le Karl non plus, on a le Gina à la limite, qui est un des brawlers préférés, donc on va dire que ça va. Dans le Brawl Pass de cette saison, il n'y a pas grand-chose, hein. Vous avez vu, on a tout ouvert, c'est intéressant. Il reste que des boîtes, mais comme je l'ai dit 50 millions de fois, on est full max, du coup, aucun intérêt pour nous, les gars, le skin. Est-ce que vous êtes chaud, les gars? Est-ce que vous êtes chaud? Les skins en point star, ça me branche pas plus que ça. Même le shérif Médor me branche pas trop, qui sort dans 5 jours et 22 heures. Honnêtement, c'est vraiment le Emery Lanterne. Alors, je reconnais que 149 gemmes, les gars, c'est un petit peu cher. C'est un petit peu cher, certains pourront pas se le permettre. Mais nous, on va se faire plaisir. Nous, clairement, on va se faire plaisir. Ouh, les gars, la respiration qui est prise du côté de Tonton va activer le skill en espérant que ça porte bonheur. 3, 2, 1... C'est parti, on a une petite latence là les gars, j'espère qu'en game elle se fera pas trop ressentir. Le skin d'Emery Lanterne, il est là, ça fait plaisir, on va équiper notre petit brawler du skin du coup. Ah magnifique, honnêtement, j'aimais beaucoup le Emery Léon, mais celui-là il est encore au-dessus. On part sur Terre Brûlée, map sur lequel Emery ne se joue pas, mais j'aurais conseillé un Byron Mr. P, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça les gars, on fait une petite entorse en règlement, au pire on perdra des trophées, vous pourrez me troller en commentaire, et la vérité c'est que je vous en veux même pas les gars, c'est le jeu, parce qu'en vérité si j'avais pas une chaîne YouTube, je me régalerais tellement de moquer des frérots qui feraient... qui ferait des loos en vidéo, et je sais que c'est moche de se moquer, mais autant se faire plaisir. Alors, je me concentre un petit peu, on a un spawn qui peut être génial, hein. C'est un des meilleurs spawns, malheureusement, il n'y a pas de peau, on peut en avoir jusqu'à 4 à gauche. Ok, il y en a une dans l'angle à droite, oh les tirs, ils sont géniaux, non? Est-ce que je m'enjaille de pour un rien, ou est-ce qu'ils sont vraiment trop beaux? En vrai, ils sont vraiment trop beaux. J'ai l'impression qu'on peut se faire défoncer par à peu près n'importe quoi, s'il y a un Edgar qui nous voit, il me défonce. Il y a à peu près beaucoup... Allez, je suis fan des tirs, les gars. Je vais tirer dans le vent toute la partie. Ok, Jacob, il est en fight contre je sais pas quoi. Il y a un Stu mid. Oh, ouais, comment vous voulez qu'on fasse, là? Comment on va gérer ça? C'est une map robo, bien sûr, les copains. Et comme toutes les maps robo, il faut avoir une compo qui DPS, style Colt, Stu, enfin, je sais pas, des brawlers qui DPS, ou un Mr. P plein de popo. Mais nous, on a... Ou un Max qu'on voit en bas. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de les fight? Je crois pas. Mais sauf qu'il y a des poids récupérés. Il y a des poids récupérés, c'est pour ça. Alors, fight deux teams en même temps, très mauvaise idée. Jacob, je sais pas ce qu'il fight, le frérot.
J'ai vraiment envie de l'écouter. Ok, ça va mourir. Ça va mourir ou pas? Ça va mourir ou pas, les gars? Ils sont Lovita de dingue. Je vais régène un petit peu. Je régène un petit coup. Oh non, on a le robot. Oh non. Oh non, on a le robot. Faut qu'ils prennent le robot. Prends le robot, Krobak. On te le fait cadeau. Dommage parce que la team de gauche, en bas à gauche, elle était vraiment low. Dommage qu'on n'ait pas pu la finir. Ils se font. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on tente un truc comme ça ou pas? C'est nul ce que j'ai fait. Oh, regardez. Mais c'est incroyable. Il est incroyable ce skin. J'avais jamais joué, les gars. Je suis fan. Alors là, ce qu'on va faire, les copains, c'est ce qu'on faisait quand on était tout petit. On appelait ça un cache-cache. On se cache et on va espérer qu'il nous retrouve pas. Là, c'est un petit peu le dernier qui meurt. Donc, il y a une team au mid qui a pris des robots. Donc, elle est incontestable. Ce qui n'est pas notre cas. Et on va juste attendre un petit peu, quoi. On va attendre un petit peu en espérant. Espérant être vu en dernier. Oh purée, purée. Jacob, est-ce qu'il peut carry? Est-ce qu'il peut carry Jacob? Ce qui est cool, c'est qu'on se prend pas les robots vu qu'ils les farment tous. Si on fait un top 2, c'est exceptionnel hein, sur une game comme ça. Alors, et forcément, il focus tout le monde, sauf nous, les mecs du mid. Hein, c'est notre chance légendaire. Et on perd à une seconde de la fin. Voilà. C'est ce qu'on appelle dans le milieu, les gars, la chance. Vous pouvez le voir, à une seconde près, je pouvais respawn, on pouvait avoir une chance de faire quelque chose. Ben voilà. Voilà, il n'en a rien été. On s'est fait laver. Il faut qu'on prenne au moins des trophées sur ce, parce que c'est bien beau. Il est beau, le skin, il est magnifique. Son super est incroyable, mais les gars, s'il porte pas chance, ça sert à rien. Clairement, ça sert à rien du tout. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce qu'il y en a certains dans la communauté qui l'ont acheté? En tout cas, moi, je conseille beaucoup plus d'économiser pour le Brawl Pass ou d'acheter le Brawl Pass qui sort lundi que d'acheter ce skin-là, les gars. Clairement, les gars, si je dois vous donner des conseils, c'est clairement dans ce chemin-là que je vous oriente, parce que un skin, ça reste visuel, il n'y a pas grand intérêt. Donc, c'est vraiment pour ceux qui peuvent se le permettre. On a un meilleur... Franchement, les gars, on a le meilleur spot à chaque fois. Là, il y a deux pots, normalement, il n'y en a qu'un. Et en dessous, il n'y en a pas, alors qu'il peut y en avoir deux. Non, mais je vais vous le répéter 10 fois. Si on spawn là 10 fois et que... Et qu'il n'y a pas de pot à chaque fois, je vais vous le dire. Alors, est-ce que c'est... On peut dire que c'est un des plus beaux skins ou pas du tout, les gars? Ou est-ce que je m'enflamme? Est-ce que je m'enflamme? Ok, là. Non, non, mais non, pourquoi je fais ça? J'aime trop les potions, purée, ça me saoule. En tout cas, si on n'est pas synchro avec Jacob, ça qui me saoule, c'est ma faute. Je dois vraiment l'attendre, je dois l'attendre. Si on push les mecs à deux, je pense vraiment qu'on s'en sort. Jacob, il est en train de carry fort. Jacob, il est en train de carry fort, comme d'hab. Il y a un Brock en bas. Est-ce que vous voulez qu'on essaie d'aller le contest un petit peu ou pas? Alors, moi, je vais essayer de péter le Brock. J'ai rien à faire. Jacob, il fait tout dans cette game. Le monstre Jacob. Alors, je lui fais pas du tout de reproche hein, quand je dis on n'est pas synchro. Je parle principalement de moi qui ne suis pas synchro avec lui. Hein. Là, on a une Billy, Poco, combo quasiment immortel. Oh là là, dommage, dommage, dommage. Quasiment immortel. J'ai cru que Jacob allait dépop la Billy. Ok, donc j'ai pas fait grand-chose, mais en tout cas, on prend enfin des trophées avec ce skin. Donc, c'est plutôt pas mal. En termes d'émoticônes, les gars, je voulais vous faire une vidéo, ça fait 6 mois, je l'ai jamais faite, mon top 5 des meilleures émotes, et au final, c'est vrai que je l'ai jamais faite, l'émote. Mais de toute façon, je pense que ça aurait clairement été les émotes avec les cœurs. Je trouve vraiment que c'est celle-là les plus stylées, style celle-là. Celle-là aurait été dans mon top. Le petit boule, on va quand même le montrer à Jacob, voilà, le boule avec le cœur. Et on relance une game, voilà. Je pense qu'on a le temps. Il m'envoie une Elisa cœur. C'est une bataille. C'est une bataille d'émotes, les gars. Je pense que je l'emporte hein, sur Jacob. Quoique non, Jacob, il m'a dit qu'il avait toutes les émotes rares. Donc je pense qu'il en a plus que moi, le frérot. Parce que moi, il y a des packs d'émotes que j'ai pas acheté tant des fois. Pas souvent, mais je crois que j'en ai loupé 2-3. Et du coup, Jacob a peut-être plus d'émotes que moi. Alors on va quand même se focus. J'aimerais bien faire un top 1. Donc pour faire top 1, comme je l'ai dit, il faut clairement se farmer les robots. Donc il faut faire un bon start. Et ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ok, je suis pas mort, ça tient du miracle. Hein. Clairement, je vais essayer de me calmer un petit peu. Il y a une Ambre par là, il y a un Stew. Ambre, elle est pas bien du tout. Est-ce qu'il y a un mec au mid ou pas? Je sais pas si Jacob peut nous mettre un gadget. Ça pourrait nous guider. Ou pas. Moi, je trois shot. Ouah, il y a un robot, il veut qu'on se le tente. Vas-y, on se le tente. On se le tente. On se le tente, non? Non, il veut pas. Il veut pas. Moi, j'aurais tenté. Ah, j'aurais tenté, moi. Le Mr. P à droite, est-ce que vous voulez qu'on se le tente ou pas? Il faudrait qu'ils approchent du mid. Je suis tout seul au mid, là. Jacob, viens au mid. Viens, tonton. Je l'aide pas, là, en fait, mais j'aimerais juste qu'ils prennent le... Ouais, il y a une team à 9 popos à droite. Il y a une team à 9 pots. On va faire un top 5, les gars. Vous êtes pas prêts. Jacob, je peux pas aller en bas. Je peux pas aller l'aider. Parce qu'il va se faire push, c'est sûr.
Ah, le logo porte-bonheur, les gars, il est là. Jacob, il est au mid avec moi. Alors là, c'est cool, c'est qu'on va prendre des pots. Est-ce que je peux l'attendre? Est-ce que je peux l'attendre ou pas? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Les gars, je la prends parce que je sens que le max, il va remonter vite. J'ai un peu peur, là, les copains. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont en train de se fight en vrai au mid, on n'est pas si mal. Ok, on va essayer de péter le colt là. Je vais me faire soulever par le bas, non? J'ai pas vu ce qu'il y avait en bas, les gars. On va faire top 2, on va faire top 2. On va faire top 2. Je fais le kill là, on prend les deux pots. Est-ce que vous pensez qu'on a le potentiel pour être champion, les gars, ou pas? Est-ce qu'on a le potentiel pour être champion de Brawl Stars? Pas du tout. Pas du tout, les gars. Oh, oh, Jacob! Oh, Jacob! Oh, le monstre! Vas-y, frère, un dernier coup! Oh, le monstre! Jacob, il les a manœuvrés, oh. Oh, il les a manœuvrés tout seul. Ah, le mec est incroyable. Ce mec est incroyable. Alors, quand je dis ce mec est incroyable, je sais que certains verront la vidéo se diront, mais qui est ce mec? Qui est ce Jacob? D'où il sort? Un profil à faire saliver les plus grands, les gars. Il a monté des brawlers en ciblage, il a monté des brawlers en chasseur d'étoiles rang 35, il en a monté en duo, en solo, je pense un des joueurs les plus complets, il en a monté en 3v3 aussi, rang 35, enfin, je pense ce qu'on appelle un joueur complet de Brawl Stars, parce que c'est quand même pas si simple, croyez-moi qu'en général, quand on aime le 3v3, on n'aime pas vraiment le rusher les autres modes, etc. C'est rare d'aimer tous les modes comme notre petit Jacob, voilà, c'était le petit moment promo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à 3500 pouces bleus, comme promis, une petite vidéo sur le compte 500k, et on aura quasiment acheté tout le shop, ça fait plaisir. Les skins gold, il faut que je m'y penche très, très, très sérieusement, les copains. Promis, c'est en projet, voilà. Je vous fais des bisous à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.